Black Star. Bebou. Bebou FC. Ouais. Bebou FC. Black Bebou FC. Black Star. En 1. 1, 2. Non mais attends, c'est Shifumi mec. Ouais, vas-y, c'est ce jeu ou pas? Ouais, vas-y. Shifumi. Shifumi. Ouais, c'est bon, vas-y. Allez. Allez. Bon match. Ce sont les Pays-Bas qui ont perdu le plus souvent en finale sans jamais avoir réussi à remporter la Coupe du Monde. Vrai ou faux? Vrai. Non, on dit juste vrai ou faux. Faux. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Merci, merci. Merci. Premier point. Perdu, perdu. Premier point. Bon, perdu. Non, perdu, comment ça, il a dit vrai ou faux? J'ai dit vrai. Non, 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 faux. Mais attends, allez. Bon, faux. Bah, allez. Commence pas à parler, Steph, ça va. Il a dit vrai. J'ai dit vrai. Regarde sous la caméra. Non, non. Il a vu, il a vu. J'ai dit. Allez, le buzz passe. Le buzz après, un point. Ça commence la triche. Première question, il y a déjà un litige. Ah oui, frère. En 1942, durant la Seconde Guerre mondiale, en Argentine, un pays épargné par le conflit. Vrai ou faux? Faux. Faux. Bah oui. Bonne réponse. Merde. Là, c'est au pif, là. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Pourquoi faire? À nous, en gros, à nous, sois concentré. L'Allemagne a participé à plus de finales de la Coupe du Monde que n'importe quel autre pays. Vrai ou faux? Faux. Ah, il est nul. Tu aurais dit vrai? Oh putain! Le point pour nous! 3-0. Allez hop! C'est pas 3-0, c'est 2-1. Concentre-toi. L'Angleterre a gagné deux fois la Coupe du Monde. Vrai ou faux? Faux. Attends, laisse-les! Ah oui! Ouais. Bah, il y a un temps, non? Non, vas-y. Faux du coup? Faux. Faux. Bonne. Est-ce qu'on a un point si on dit combien de fois ils l'ont remporté? Une fois. Ok, tant pis. Pas de point bonus. Tant pis, il n'y a pas de point bonus, c'est pas grave. Une fois. Ok, allez. Allez, à 11, allez. Allez. À vous de jouer. Vas-y, joue. En 2015, le Canada surprend les États-Unis et remporte la Coupe du Monde féminine de football. Vrai ou faux? Ok, ils sont bleus. Non, vrai. C'est faux. Eh, vous m'avez donné quel bidon là? Elle s'est partie un peu changée. Je suis mort. Zidane, je pense que c'est Platini. Faux. Faux. C'est vrai. Yes, on a pris le point. On avait une chance. Ah, de... C'est qui? C'est Lucien Laurent. Putain. Ah ouais, c'est vrai, Lucien. C'est pas un nom de français, ça. Le premier championnat d'Europe de football de l'UEFA a été joué en 1960. Vrai ou faux? Moi, ouais, c'est des questions de ouf. Hein. Ouais. C'est que de la chance. Allez, vrai. C'est une question d'eau. Bah non, c'est la question. C'est pas culture foot. Oh la vache. 1960, la question. On était né déjà. Il n'y a que Steph qui était. Bah oui, la preuve. C'est sa troisième vie. La première Coupe du Monde de la FIFA a eu lieu en 1930. Vrai ou faux? Non. Ah bon? Ouais. Faux. Faux. C'est vrai. Puis yes, on a pris le point. Hé, hey, Black Star! On est nul là. Vamos! Ouais. Rappel score s'il vous plaît. 4-4. Mais comment 4-4? Bah vous avez perdu aussi plein de points. Ce sont les États-Unis qui ont remporté le plus de titres de la Coupe du Monde féminine de la FIFA. Vrai? J'aurais dit bon. Vrai. Ouais. C'est super facile, yes. C'est les qui gagnent. Yes! Vamos! Bon allez, vas-y, une petite question facile. Morgan Rapinoe. Allez. Le football moderne tient ses origines de la Grande-Bretagne au 19e siècle. Vrai ou faux? Laisse, non, on reprend pas. C'est sur Netflix. Oui, c'est vrai. Ouais, vrai. C'est vrai. Mais pourquoi tu les donnes au repos? Tout le monde sait que c'est les anglais. Il a des adversaires, il n'aide pas son binôme. Ouais, il n'aide pas son binôme. Viens avec nous si tu veux, Livio. Viens, fais une place si tu veux. C'est l'Allemagne qui a remporté le plus de titres de la Coupe du Monde de FIFA. De la FIFA. Vrai ou faux? Non, c'est le point. Non, ils ont gagné la dernière. Faux. C'est toi, mec. Bonne réponse. C'est le Brésil.
Allez! Tout ben. C'est serré, hein? Vous avez peur, hein? Pas encore. L'expression « garer le bus » est née lorsque José Mourinho a été obligé de garer le bus de l'équipe de Chelsea après que le chauffeur soit tombé malade. Vrai ou faux? Sous notre gueule. Sous notre gueule. Sous notre gueule. Vas-y, c'est sous notre gueule, c'est faux. Yo déjà, elle est morte de rire. Ça se voit que c'est une blague. Bon, c'est des points gratuits, mec, ouais. On s'en fout. Merci, déjà, Sarah. Mourinho, il garait déjà le bus à l'Inter. Ah oui. Ah, je te jure. Pour la saison 2020-2021 de Ligue 1, quel club possède le stade avec la plus petite capacité d'accueil? Nîmes Olympique, Angers, Stade Brestois, l'AS Monaco. Brest. Ouais. Oh putain. Allez. J'allais dire Monaco. La plus petite capacité, ouf, c'est un grand stade. C'est vrai, et là, ils vont construire un nouveau stade à 15 000 parce qu'ils ont, je sais pas combien, mais ils suivent pas la Ligue 1. Je suis plus un Brestois. Un point breton, wesh. J'aurais pas dit Monaco quand même. Ah oui, allez, avance maintenant. René Fenouillard. En quelle année s'est déroulé le premier Classico français? 1970, 1971, 1972 ou 1973? Dis pas, non, attends. Paris, c'est, 1960, c'est en 1970, t'as dit? Non, Paris, c'est ça. En 72. Non. Bah, je donne, je la reprends, même si je rate, on a le truc 73. Non, 72. Hein? Paris est né en quelle année? En 70. Ah, déjà, ça, c'est moi, j'ai calculé qu'ils avaient fait aussi, une année. Ouais, de transition pour aller, tu vois. Bon, bah, tant pis. Qui surnomme-t-on le charmeur El Magnifico? Paolo Maldini, Francesco Totti, Mo Salah ou David Ginola? Maldini? Non. Attends, on est gage. Ginola. Ouais. Non, mais vas-y, on était pas nés, chef, ils jouaient au foot, on était pas nés là. Concentre. Ginola, à mon école de talent. Allez, sois concentré. Danse avec les stars. Putain, on est dans le trou. Ah, dans le trou là. Allez. Quel joueur détient le plus grand nombre de buts marqués en une saison de Liga? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Raoul, Raymond Coppa. Raymond Coppa. Non. Bah en Liga. En Liga. Liga. Elle a dit Liga. Ah bah compris Liga. On a compris Liga. On a compris Liga. Comment ça, on a compris Liga? Moi j'ai compris Liga, mais non, même ton nom que tu dis, t'as donné quel nom? Coppa. Bah Coppa. Bah Liga. Il a joué en Liga? Bah bien sûr, il joue en Liga. Il a mis combien de buts en Liga? Bah c'était seul qui a le record. C'est seul qui a mis des buts en Liga dans les 4. En tout. Non. En Liga, il a dit Liga. Du coup. Raoul. Messi. Ouais. Voilà, merci. Mais... La question n'était pas claire. Toi, Raoul, t'as craqué. Ah oui, Raoul. Ouais, mais tu donnes ça, c'est un point donné, gros. Ils ont dit à rater pour moi. Non, mais c'était Ligue 1, on a compris Ligue 1. Mais moi, je me suis dit à se foutre notre gueule. Eh oui. Et Cristiano Ronaldo, je me suis dit. En Ligue 1, quand même. Qu'est-ce qui se trouve au sommet du trophée de la première ligue remis au club champion à chaque fin de saison? Une tête de lion, un ballon, une couronne, une chaussure de ouais, une couronne. T'as même pas fini de parler qu'il est déjà en train d'appuyer. Va. Pas de voir. Déjà, on vous a donné Messi tout à l'heure. Ça va. Une couronne. C'est nous. Shakira. Coupe le son, ça m'énerve. La Coupe du Monde, c'est en Afrique du Sud. Bah oui. Mais... Parfait, 3 points. C'est 3 points, sérieux. Bah allez, merci Liv. On va jamais rattraper notre. Bah moi aussi. Là, ils n'auront plus aucune musique là derrière. Je t'ai dit Waka Waka. Bah ouais, plus rien. J'aurais dû le tenter à la première note. J'avais que celle-là de toute façon. Reste focus. On peut faire la démo de la musique. C'est pas grave. J'en ai plus d'autres. Proposition. Let's go. Le deuxième. Non, mais tu ça fait des points pour les autres. Tu rigoles, ça c'est en France, ça. C'est Strom, ça fait c'est des points pour du les autres. Non, c'est pas point pour les autres. Vas-y. C'est les connaissances. On est d'accord. Coupe du monde en France. 98. La musique, par contre, je n'ai pas. 98 peut-être? Ouais, c'était ça. La Coupe du Monde, 98 c'était en France.
couplet. J'ai que ça. C'est la Coupe du Monde au Brésil. J'ai que ça. Mets la musique, mets la musique. Samba. Le titre c'est Samba. T'as voulu me faire hein. Ça allait faire mal. Hein. J'allais pas avoir mal. Hein. Ah mais c'est ici, c'est Florida. Non. C'est pas Florida ça. On dirait quand même. Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir. Comment il s'appelle le show? Ah c'est pas Fally. C'est pas Pitbull, non. Pitbull là. Non, c'est truc. Fini, mais c'est fini dans tous les cas, ouais. Ouais. Ah, ouais. Plus deux. C'est Pitbull. Ah non, plus un. Ouais, ça, j'avais pas le titre, mais je sentais. Je voyais le show. Ah mais... oui, exact. Plus. Exact. On a un point déjà, c'est bien. J'étais pas né là. Ouais, ouais. C'est Céline Dion, non? Non. Britney Spears. Il y a ça à la Coupe du Monde. Putain, sa voix me dit quelque chose, elle. Où est-ce qu'il y a eu des Coupes du Monde? France, Japon. Coupe du monde au Japon. Okay. À nous. Non, on attend alors. On attend la fin de la chanson parce qu'ils ont dit pas de répondre, donc on a le temps. On n'a même pas dit quelle langue. Allez, vas-y. Coupe du monde en Angleterre. C'est qui? Tony Braxton. En Allemagne. 2006. Whitney Houston. Time of Our Lives. De qui? Tony Braxton quand déjà? Bah il a dit en plus, donc on a le point. Il non, a dit tout à l'heure. Il a pas buzzé. Mais quand il a dit, il a dit ça. Il a dit, après si vous n'avez pas de cohésion d'équipe, c'est pas notre problème. C'est bon, mais il a dit vous allez regarder dans les caméras, vous non, allez voir. Je connais Tony Braxton, tout le monde connaît Tony Braxton. Bah oui. Tony. T'es même pas né. Non. C'est bon, j'étais. Je connais pas. Si, il était né. Il était né. Il était né. Je connais pas. Ouais. C'est la dernière. C'est pas 94. J'ai cru que c'était 94. C'est pas ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense. Non, trop tard, on a appelé. Ouais. Japon. Non. Bah c'est bon, c'est à nous. Avant le Japon, c'était où? C'était en France. Le Japon, c'était 2002 ou 2006? En 2002. 2006, c'était Allemagne. 2002, c'est le Japon. C'est pas le Japon. Avant le Japon, c'était où? Là, c'est en France. La France. Avant la France? USA? USA? 94? Ouais. 94, c'était aux États-Unis. Aux États-Unis? États-Unis. On est trop loin. Dommage! 2018, Russie? Ouais, mais c'est putain, cool. J'hésitais à dire la Russie. C'est ce que j'ai dit au début. Je me suis fait charger pour cette année. Ah ouais? Bon, bah ok. Ouais, bon. C'est bon. On a perdu 3 points sur cette semaine. Très bien. On est à plus. On est à plus 5 là. On est nul à chier. Citer les différents champions de France depuis 2008. Paris. Le dernier champion. Hein? Le dernier champion LOSC. Il y a du temps. Depuis 2008, LOSC. Ouais, 5, 4. Ouais, le LOSC. Oui, mais j'ai répondu. Ok, Lille. À toi, mon frère. Bah, j'allais dire Lille aussi. C'est à toi de répondre. Bravo. À toi, Steph Livio, la parole. Si, c'est moi qui ai répondu, LOSC. Non, c'est lui qui a répondu. C'est moi qui ai dit LOSC, frère. C'est pas moi qui ai dit LOSC. C'est moi qui ai dit LOSC avant. Ok, il a pas envie de jouer, joue. Il a pas envie de jouer, joue. Il a pas envie de jouer. Et t'as pas le droit de l'aider. T'es un champion, ouais. Ah, dommage, j'ai perdu. Ah, dommage. J'ai visité. Ah, t'as oublié Monaco, gros. Dommage. Monaco, du coup. Ouais. Ah non, ils ont gagné avec Thomas Lemar et tout. Ouais. Ah, 4, 3, 2, 1. Oh putain, perdu. Si, je vais reprendre là. Qui? Comment il s'appelle? Lyon. À toi, mec. Ça
mot-là. Ouais. De toute façon, on n'a plus beaucoup. Bordeaux. Bordeaux, exact. Marwan Chamakh. 2008. Mais normalement, c'est fini, là. Il en reste un. Ah, c'est fini, c'est perdu, là. Je sais qui. Marseille. À nous. Est-ce qu'il y a 10 secondes pour répondre ou c'est 5 secondes? Mais attends. Est-ce que c'est 10 secondes ou 5 secondes? Mais laisse-moi répondre. Je dis Marseille. Bah ouais, mais il a dit ça au bout de 10 secondes. Mais non. Si, il a fait ça, ça, ça. Pourquoi t'es de mauvaise foi? Non, mais c'est pour savoir s'il y a du temps. Mais moi, je regarde. Marseille. Mais bon, j'ai dit, j'ai ma réponse. Non, mais c'est pour savoir s'il y a du temps ou il n'y a pas de temps, c'est tout. 2018. Non, mais ouais, vous êtes gentil. Ouais, nous, on perd. Donc, on n'est pas gentil. Le seul gardien à avoir gagné le ballon d'or. Yachine. Ouais. Moi, je suis un gardien comme toi. Bah, avoir gagné, mais je sais pas ce qu'il veut dire, gros. Avoir gagné le ballon d'or, ça veut pas plus clair, gros. Bah oui, ok. Deux points pour nous, du coup. C'est vas-y, deux. vas-y. Mais viens pour buzzer. Quel est le prénom du joueur qui a inventé la Panenka? Faut pas toucher parce que s'il loupe, c'est le point à nous. Hein. Non. Bah c'est ce que. Ah non. Vas-y. Vas-y, Nedine. Vas-y. C'est bon, ils ont perdu le point. Bah non, il a dit qu'on perdait pas de points. Zvenest, tout c'est Zvenas. Antonin. Antonin Panenka. Antonin s'appelle. Antonin Panenka, il s'appelait. C'est quelle nationalité, lui? Tu vas te chercher. Attends, vous posez des questions. Eh gros, sois focus, wesh. Je crois qu'il l'avait parce qu'il a dit vraiment un nom compliqué. Ouais. Allez. Panenka, je pensais que c'était un robot. Yassine. Yassine. Et tu fais tomber le pupitre. Ouais, qui est le premier entraîneur nommé par Jean-Michel Aulas après sa prise de pouvoir à l'Olympique Lyonnais? Denis Papas. Lyon. Ouais. Denis Papas Lyon. Ouais, c'est ça. C'est ça? Yes. Ouais. Maman. Applaudis. Je connais même pas. C'est dans les trucs de Lyon, les gars. Vous allez pas au. Vous n'êtes pas encore allé au stade. Excuse-nous. Parce qu'on est fan de Lyon. Bah, excuse-nous, oui. T'as un cousin qui a joué là-bas. Voilà. Son cousin, c'est Bédimo. Henri. Ah, franchement, ça peut valoir deux points. Même. Je suis fermé. Merci, champion. Ouais, franchement, propre. Denis Papas. Quelle est la dernière équipe anglaise à avoir remporté la C1 deux années de suite? Joue. Arsenal? Non. Liverpool? Non. Quoi? City? Non. C'est bah, United? C'est perdu? Non. Bah ça doit être Newcastle. Ah non, ça doit être Leeds. Non, c'est fini, c'est perdu. Ils ont... C'est qui? Pour la connaissance. Nottingham Forest. Ah oui. Putain, je suis trop bête. Je l'avais en plus. Oh, Nottingham Forest. Il reste combien de questions hein? Je l'avais en plus. Combien de temps un gardien a-t-il le droit de garder le ballon en main? Toi aussi. Bah quoi? Réponds. Bah c'est 6 secondes. Oui. Oh, quand même. Bah ouais, mais si ouais. Je trouve pas ça, il y a un mais problème. Oh. T'allais dire quoi? 6. Ah, d'accord. Quel club a comme surnom Los Colconeros qui se traduit en anglais par les fabricants de matelas? Oh, ça me dit quelque chose. Ah, il a fait commander. Mais ça, c'était pas non, mais c'est quoi ces prononciations? Les colchoneros. Ah ouais, ouais. Je mets une réserve. C'est quoi ces prononciations? Je mets une réserve. C'est l'équipe au Mexique. Colchoneros. Le coach, on le sait. Développé, c'est un point. Oh la vache. Putain, ils ont pris. Bah oui, c'est lui. Entraîné par El Cholo. Diego Simeone. Elle quoi? LV2 espagnol. Elle continue. C'est pas grave. Quel était l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen sur la saison 2012-2013? Garand. Ouais, après, à un moment donné. Yes! Quelle est l'adresse de Livio Nabab? Il va buzzer la mettre. Non, sérieux. Est-ce que vous gueule ou quoi? On lui a posé le Stade Brestois tout à l'heure, il n'a pas gagné. Attends, celui-là a joué, c'est abusé, c'est sérieux. C'est pas lui, gardien. Ah bah oui, là, 6 secondes, là. C'est grave. 12, on a marqué. Je regarderai plus. Dis, comment s'appelle le stade de l'USDC? Vas-y, on va voir si les autres gens... Nest, question, please. Ça, c'est pas culture foot, ça. Nest. 2012. Allez, go. 2012, 2013.
Qui a dit la phrase « Je n'ai pas besoin d'un trophée pour savoir que je suis le meilleur ?» Ibrahimovic. Putain, j'allais te dire. Non, facile. J'ai pas lu son livre. Mais non, mais frère, c'est parce que tu vois, je connais le personnage, on s'appelle souvent. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Il n'y a que lui qui peut dire ça, vrai. Ah oui. Wow. Quel joueur de champ français est champion du monde 2018 sans avoir joué une seule minute? Hop, c'est dit. Rami. Ouais. Oh mon frère, je t'aime. Wouhou. Adil. Qui jouera à l'Estac aujourd'hui, un point en plus. Et qui sort avec Léna. Léna des Marseillais, voilà. Deux points en plus. Deux points en plus, voilà. Avec du people. Qui est avec Pamela Anderson. Et qui fait pipi debout. tout point est bon à prendre. Voilà, ouais. Quel est ce joueur? US Boulogne, SM Caen, Leicester, Chelsea. Kanté. Non, c'est nous, c'est nous. Non. C'est nous. Regarde la barre tout de suite là. Kanté, non, c'est nous. Regarde la barre tout de suite. Vas-y Kanté. Regarde la barre tout de suite. C'est moi. Non. Non. C'est juste eux, ils font du bruit. Non, tu sais bien. Tu sais bien. En plus, t'avais même pas la bonne réponse. Bon, non, j'allais dire qui? Samy Hipia. Alors, c'est à qui le point? C'est à nous? On laisse en stand-by, là, vous avez. Allez, tu la reposeras après. Pas de point. Tu dis Boulogne. Quel est ce joueur? Grenoble Foot 38, FC Istres, Tour FC, Montpellier, Arsenal FC. Olivier Giroud. T'as pas fini de donner le nom? C'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Pourquoi tu voulais plus attendre? Non, y a, on peut regarder la VAR. Il n'y a pas eu. Bah, à ce moment, on a dit vous attendez la fin de play. Oui, tout à l'heure. Alors t'as buzzé comme dommage, ça. Dommage. Tout à l'heure, tu buzzes tout à l'heure comme ça. Dommage. C'est pas grave. Oh, mais. Bien joué. Wow. Dès que t'as le bon. Olive. Quel est ce joueur? Brest, Avranches, Bastia. Et il est là. C'est moi. Guillaume Buon. Guillaume Stanislas Buon. Kevin De Bruyne pour les intimes. Donnez-le aussi des points tout de suite. Patrice Garand attend à d'autres. 6 secondes de temps de gardien, il se plaint. Attends. Il est jaloux. Il avait plus qu'un point d'écart. Ouais. Il y a la barre en plus, la barre sur nous, ça fait égalité, mon gars. Bien sûr. Quand il regarde, on était devant. Ils nous ont pas donné. Quel est ce joueur? Cannes, Girondins de Bordeaux. Non, c'est là. Tu vois depuis tout à l'heure. Tu vois? C'est ce que je t'ai dit. Zidane. Nous on baise, ils n'entendent pas. C'est normal, vous êtes. C'est grave. Ah oui. Et il faut rien. Nous on t'attend le beurre, tu n'entends pas. C'est bon. Ah, c'est grave. Bon, égalité, 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 égalité. Allez, égalité. Dommage. C'est grave. Bon, match. Citez les différents ballons d'or depuis 1998. Cannavaro. Messi. Zizou. Ronaldo. Wesh, c'est ça? Non, mais je suis pas. Mais dis-moi, tu as dit Ronaldo? Non, tu as déjà dit Ronaldo. Il a dit Ronaldo. R9? Bah, je sais pas. C'est à nous du coup, là? Modric. Shevchenko. C'est à qui là? C'est à moi? C'est à toi. Michael Owen. Ah ouais, t'es loin, toi. C'est à toi. Non, il est éliminé, mais c'est à toi maintenant. R9? Tu viens de le dire, non, il n'a pas dit. Il l'avait pas dit. Non. Ok, caca. Ronaldinho. Oui, c'était lui. Si, c'est là-bas après. 2, 1, top perdu. Allez, éliminé. Salut. Nedved. Bien joué. Vas-y. 4, 3, 2, 1, terminé. On avait dit Zidane.
Oui, on a dit, c'est bon. Allez, c'est bon, on a le point. Tu veux continuer, Ligo? Je veux continuer. Allez, allez, vas-y. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, l'égalité. Il y a qui d'autre? Louis Figo. Il est resté Figo. Il est resté que Figo. Ouais, je l'avais pas. Il restait que Figo. Et Rivaldo. Oh, on les avait pas. Ouais. On les avait pas. Ah, ben on va se départager sur une autre question, c'est dommage. Quel est ce joueur hein? GSI Pontivy, Stade Brestois, Toulouse FC, Stade de Reims, US Avranche. Sylvain Didot. Ouais, mon frère, c'est bon. Bah comment c'est nous qui avons perdu? Bien joué, gage. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube plus tard. En attendant, allez liker. Et rendez-vous au stade Widior pour nous supporter et tous derrière Granville. Et le Bebou FC. Ciao.